C'est à pied que le ministre des Transports est arrivé ce matin en gare de Montpellier. Une façon peut-être de souligner que l'heure est à l'économie. Dans le cadre du schéma national d'infrastructures de transport, 245 milliards d'euros d'engagement ont été pris sur 25 ans par le gouvernement précédent. Des projets qui sont actuellement réétudiés dans la région. On espère bien que la ligne grande vitesse entre Montpellier et Perpignan soit retenue. J'ai bon espoir de voir cette ligne Montpellier-Perpignan placée dans le hit parade des 5 premiers dossiers en France sur les 300 que nous discutons. Ce que je sais, c'est que les collectivités ont déjà financé la première partie et largement la région 400 millions d'euros. Donc vous doutez qu'on n'a pas financé la première partie pour voir s'arrêter le dossier à Montpellier. Il faut qu'il aille jusqu'à Perpignan. Un projet à hauteur de 8 milliards d'euros. Mais l'atout majeur de ce tronçon manquant, c'est qu'il permettra de boucler la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Marseille ou Lyon et l'Espagne. Un enjeu transnational que le ministre des Transports veut faire valoir auprès des instances européennes. La grande vitesse, il s'agit de Nîmes, Montpellier, Montpellier-Perpignan, et pas simplement un enjeu régional, même si c'est important, c'est aussi un enjeu national et européen. Moi, mon combat, c'est de retrouver entre 15-20% de retour de financement européen sur les grands chantiers. Ils existent. Sur les grands projets, ils existent. Et là où d'autres avaient accepté que des financements soient de 2% ou de 6% sur notre territoire national, je me bats pour les passer à 20% ou à 30% de la part de l'Europe. C'est une condition. Et puis par ailleurs, il faut des partenariats. Ils peuvent être publics, mais ils peuvent être publics-privés. À condition que ce soit des dossiers qui soient solides. Par ailleurs, Frédéric Cuvillier a annoncé aujourd'hui qu'il réduisait la distance entre le futur dédoublement de la 9 et le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier d'une soixantaine de mètres pour permettre une meilleure utilisation de l'espace.